Bonjour, aujourd'hui on va regarder comment installer Looping, qui est un logiciel pour Windows qui permet la création de modèles conceptuels de données. Donc on va aller le télécharger. Alors pour ça, on va rechercher donc, Looping et MCD. MCD, donc c'est modèle conceptuel de données. Voilà, donc c'est ce site-là. Et donc on clique sur le lien de téléchargement. Donc ça télécharge, voilà, c'est OK, c'est téléchargé, on va voir dans le dossier, voilà. Alors dans notre dossier de téléchargement, donc on a une archive, je la dézippe, je la dézippe donc en faisant extraire ici, et on se retrouve avec deux exécutables. Donc le premier c'est la version Looping 32, c'est la version 32 bits, moi elle ne m'intéresse pas, je la supprime. Et donc l'autre version, donc je vais la déplacer ici, voilà, je la mets sur mon bureau, c'est l'exécutable Looping. Donc là, pour ainsi dire, l'installation elle est terminée, hein, puisque c'est juste un exécutable. Donc je démarre quand même le Looping, voilà, donc c'est bien la version 3.1 qui est installée, et on est prêt pour créer notre premier schéma de base de données, donc en cliquant ici sur nouveau. Donc là il nous demande est-ce qu'on veut récupérer. Non, il n'y a rien à récupérer. Et là on est prêt pour créer notre premier schéma entité association. Donc mais tout ça c'est une autre histoire. Donc je vous remercie beaucoup pour votre attention et je vous dis à bientôt. Au revoir.